Nul ne peut nier le rôle prépondérant que les pharmaciens ont joué tout au long de cette crise sanitaire. Au début de la pandémie, les pharmaciens des officines ont endossé symboliquement le rôle de médecins traitants. Comment ? Eh bien, en orientant les citoyens à travers un encadrement bien précis, les Marocains ont donc pu trouver auprès d'eux soutien et conseils. الطور الاساسي ديال الصيدلي هو الارشاد والتوجيه والتحسيس. L'orientation et la sensibilisation font partie du rôle du pharmacien durant la période de la Covid-19. Nous avons rempli cette tâche. Nous avions pour mission d'orienter les citoyens qui sollicitaient notre intervention au moment où les cabinets des médecins étaient pratiquement fermés. Le rôle du pharmacien est fondamental dans la mesure où il oriente les patients qui parfois ont mal de repères, pensent que c'est une simple allergie, alors qu'ils peuvent être des porteurs potentiels du virus. Dans ce cas de figure, nous recommandons vivement aux citoyens présentant les symptômes de la maladie de se faire diagnostiquer et de se soigner dans les centres hospitaliers les plus proches. ديال لو كوفيد باش كنوجهوهم نحو المراكز الطبيه باش يديروا الفحوصات اللازمه. Pour faire face à la demande plus forte que d'habitude, les pharmaciens ont déployé les moyens nécessaires pour disposer de stocks de médicaments suffisants. Il faut dire que la ruée des citoyens vers certains produits au début de la crise sanitaire a fait trembler les rayons des officines. Il y avait des ruptures de stock concernant la vitamine C et quelques produits, mais c'était une rupture d'une courte. Nous avons pu fournir aux citoyens tous les médicaments essentiels, surtout ceux utilisés pour traiter les patients atteints de la Covid-19. Certes, il y a eu une carence au niveau de la vitamine C, mais nous essayons toujours de garder une quantité en réserve pour les clients afin de leur permettre de poursuivre leur traitement. À un moment donné, il y avait une certaine indisponibilité de zinc, mais nous avons pu y remédier en substituant cet élément par des compléments alimentaires à base de zinc. Durant cette période de la Covid-19, l'horaire des pharmaciens a changé. Nous avons commencé à travailler toute la journée de 9h du matin jusqu'à 18h. Nous assurions des gardes de nuit de 21h jusqu'au matin et nous ne recevions que 2 à 3 clients. Mais on était dans l'obligation d'assurer cette garde. Il est de notre devoir d'être au service de nos concitoyens pour lutter contre cette pandémie. Le chiffre d'affaires a baissé. Notre chiffre d'affaires a bien évidemment baissé puisque durant le confinement, les gens ne sortaient que rarement et donc se procuraient un minimum de médicaments. Effectivement, une certaine psychose s'est installée chez les gens, convaincus que certaines vitamines renforcent l'immunité, comme notamment l'incontournable vitamine C. Rappelons que le premier patient zéro testé positif à la Covid-19 au Maroc a été identifié le 2 mars 2020. Nous avions du mal à trouver les vitamines. Nous étions souvent confrontés à une rupture de stock. En effet, nous avons lu à travers les réseaux sociaux qu'il nous fallait des multivitamines pour contrer la pandémie, mais il y avait toujours une indisponibilité. Au début, les bavettes étaient quasiment inexistantes. Idem pour quelques médicaments. Les gens étaient un peu perdus et ne savaient pas comment s'y prendre face à la pandémie. Il y avait d'incroyables files d'attente au niveau des pharmacies. Les pharmacies qui allaient sauf. Lorsqu'un citoyen se dirige vers la pharmacie, il est censé attendre une demi-heure, juste pour se procurer des vitamines. Cela m'arrivait de trouver les vitamines dans une pharmacie, mais pas le zinc, ce qui me poussait à aller le chercher dans une autre officine. Il en était de même pour certains produits, notamment les désinfectants et les masques, qui étaient indisponibles à une certaine époque. Nous avons rendu visite au Conseil régional des pharmaciens d'officine du Sud, à Casablanca. Saadia Moutaoukil, présidente du CRPOS depuis sa création en 2015, nous explique comment le Conseil a réagi à la pandémie et les initiatives qui ont été prises. Dès le début de la crise, en fait, après la déclaration du premier cas Covid-19 au Maroc, c'est-à-dire le 2 mars 2020, nous avons saisi juste après, le 5 mars, le chef du parquet
et le chef du gouvernement pour attirer l'attention sur la spéculation qui avait commencé par rapport aux masques chirurgicaux qui commençaient soit à disparaître, soit à voir leur prix flamber. Idem pour l'alcool, qui est un élément de base pour la préparation de tout ce qui est gel désinfectant. Des efforts ont été faits justement par le gouvernement pour maîtriser le prix. Donc l'alcool qu'on achetait à 150 dirhams le litre, on a commencé à l'acheter à 25 dirhams après toutes ces interventions, 25 dirhams le litre. Les masques chirurgicaux ainsi que les masques FFP2 ont été saisis par l'État pour pouvoir répondre aux besoins de la santé publique. Les 12 000 pharmacies marocaines ont redoublé d'efforts durant la période de l'état d'urgence sanitaire en assurant un service de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un protocole de sécurité et d'hygiène a été mis en place à travers une série de mesures préventives, notamment la limitation du nombre d'accès des clients dans les officines, le strict respect de la distanciation ou encore le marquage au sol. Les horaires aussi ont été largement réaménagés et les gardes intensifiées. On a dû gérer au cas par cas, que ce soit par rapport à certains villages, par rapport à certaines villes. Donc ça a été géré au cas par cas. Jusqu'à présent même, les horaires ils sont programmés selon les villes, selon les besoins de la ville, la garde pareil. Même si c'est une tâche qui a été vraiment très très lourde, vu la baisse de l'activité et l'augmentation du nombre d'horaires de travail. Ça veut dire des charges supplémentaires pour les employés qu'il fallait aussi rémunérer. Tout ça, le pharmacien a dû y faire face tout seul. Les chiffres ont baissé le mois de mai, juin, juillet. Vers fin juillet, il y avait une petite reprise qui pouvait plus ou moins compenser une petite perte. Mais par rapport à l'année dernière et à l'évolution qui devait être prévue, c'est vraiment une baisse qui varie entre 30 et 60%. Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique, Saadia Moutaoukil, docteur en pharmacie et diplômée de l'Université de Rennes, met en garde contre certaines habitudes, son appel est un cri du cœur. Certains compléments alimentaires peuvent provoquer des insuffisances rénales et des atteintes hépatiques. Donc tout ce qui n'est pas encadré par un médecin ou un pharmacien, il faut vraiment essayer de ne pas le faire. Et éviter les achats sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un danger très, très, très grave. Donc le circuit légal, il est à respecter. Il y va de l'intérêt et la sécurité de la santé de nos patients. Et le ministère de la Santé, bien sûr, doit assumer sa responsabilité pour assurer ce qu'il faut au niveau des circuits légaux. C'est-à-dire le circuit légal, c'est qui est l'officier. L'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, AMIP, regroupe les sociétés nationales et multinationales installées au Maroc. Nous sommes partis à la rencontre de son président, Ali Sdrati. Nous pouvons être fiers aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique marocaine. C'est aujourd'hui un patrimoine marocain. Le développement de ce secteur s'est fait depuis l'indépendance, par la mise en place d'une réglementation très rigoureuse qui concerne les activités aussi bien pharmaceutiques que médicales. Le deuxième point très fort, ça a été la création d'un laboratoire national de contrôle des médicaments depuis 1969. C'est la première chose qui a été mise en place avant les facultés de pharmacie. A aujourd'hui une reconnaissance, aussi bien une certification, une qualification par l'OMS que par la Direction européenne de la qualité. Et troisième élément, a permis le développement d'une fabrication locale grâce à l'encouragement de l'administration par des simples circulaires depuis 1965-70, ce qui a fait évoluer l'industrie pharmaceutique marocaine. L'industrie pharmaceutique s'est adaptée à la pandémie pour assurer la protection de médicaments devenus vitaux. Le secteur couvre 40% de la consommation locale. Avec cette crise sanitaire, elle est restée plus que jamais mobilisée malgré la perturbation de la chaîne logistique mondiale. La réglementation marocaine, elle-même, dès le départ, exige des industries, des sociétés pharmaceutiques, un minimum de 3 mois de stock de sécurité en permanence pour tout médicament. En dehors aussi des stocks que les sociétés détiennent, des matières premières et tout ça. L'industrie pharmaceutique n'a jamais arrêté à aucun moment, avant et pendant tout le confinement. Il y a à peu près 50 000 emplois directs et indirects qui travaillent dans tout ce secteur. Au moins 98%, c'est du personnel marocain, dans les multinationales ou dans des sociétés locales. Ce qui est un atout énorme pour le pays.
Créé il y a 32 ans, Pharmaceutical Institute emploie plus de 400 personnes. Mis à part la production locale et la distribution, PHI représente sous licence de nombreux laboratoires multinationaux. Nous sommes autorisés à faire immersion dans le laboratoire PHI pour y découvrir les multiples facettes de cette industrie. Bienvenue dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Le contrôle qualité et le respect des bonnes pratiques de fabrication sont essentiels durant les étapes qui mènent à la réalisation d'un produit de qualité. En effet, le médicament suit un processus extrêmement délicat à réglementer. Dans ce processus de fabrication, plusieurs étapes sont nécessaires, à commencer par les matières premières, la pesée, le mélange, le séchage, pour finir par la mise en boîte et en palette selon des modes opératoires et analytiques bien définis et validés. Zoom sur ce travail d'orfèvre. La base au niveau d'un laboratoire de contrôle, c'est la chromatographie liquide. Donc à cet effet, nous avons plusieurs chaînes HPLC, comme vous pouvez voir autour de cette salle. Donc ces chaînes HPLC sont gérées par des techniciens qui lancent leurs produits, c'est des techniciens qualifiés avec beaucoup d'années d'expérience. Et donc tous les produits ont une méthode de contrôle qui est spécifique, qui après avoir tous les tests conformes, peuvent être lancés au niveau du marché marocain du médicament. D'un autre côté, nous avons aussi de la chromatographie gazeuse. Basiquement, elle cherche à doser le reste de solvant résiduel parce qu'en général, les comprimés sont pelliculés. Donc le pelliculage contient des solvants résiduels qui peuvent être toxiques pour l'organisme et sont à très faible concentration. Donc c'est grâce à ces appareils-là qu'on arrive à détecter ces concentrations et voir si notre produit est bon ou pas. D'un autre côté, nous avons aussi de la spectro-UV. Donc la spectro-UV, comme tout le monde le sait, c'est basé sur le spectre de la lumière. Et c'est aussi un appareil critique vu que ça nous permet de calculer des dosages, des dissolutions de produits finis. Le Maroc est fier de disposer aussi bien des médicaments d'innovation des multinationales, ces multinationales qui ont fait confiance dans le pays, qui ont investi de l'époque de l'indépendance, qui doivent encore faire confiance, continuer à investir au Maroc avec leurs médicaments d'innovation. Pour le médicament, ce qu'ils peuvent fabriquer localement, ils doivent le faire parce que c'est dans l'intérêt du développement socio-économique du pays. L'innovation est importante pour le progrès médical et le générique doit également se développer car il est important pour l'accès le plus large pour les citoyens. Ça, c'est la chose essentielle. Rappelons que durant la période du protectorat, la pharmacie était réglementée par le Dahir de 1916. Depuis, que du chemin parcouru. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique marocaine pèse 15 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires et représente 1,5% du PIB, soit 5% du PIB industriel. Le secteur génère 7500 emplois directs.